Île aux Aigrettes est une petite île située au large de la côte sud-est de l'île Maurice, connue pour sa biodiversité remarquable et unique. Cette île corallienne de 26 hectares est une réserve naturelle depuis 1965 et abrite certaines des espèces de plantes et d'animaux les plus menacées au monde. Depuis plus de 25 ans, la Mauritius Wildlife Foundation travaille à l'éradication des espèces invasives qui menacent la biodiversité endémique de l'île. Les espèces envahissantes, telles que l'acacia, qui ont été introduites sur l'île par l'homme, peuvent avoir un impact important sur l'écosystème en éliminant les espèces natives, en altérant l'équilibre naturel de l'écosystème de l'île et même en entraînant l'érosion des sols. Cet épisode de Bricolo Écolo vous emmène à découvrir que parfois, s'ils se retrouvent au mauvais endroit, au mauvais moment, même les espèces naturelles peuvent envahir et détruire notre biodiversité. Ici, vous trouvez l'arbre comment il ressemblait. Ça, c'est un acacia, un petit feuille avec lui. Et donc, il est facile de remarquer, il peine leurs feuilles. À quelle vitesse sa plante a reproduit? Comment ça se fait qu'il vienne une plante invasive, qu'il peut en fait une propre plante en démigrant? Donc, plante-là, il produit beaucoup la grain. Donc, quand il produit beaucoup de grain, il fanait partout. Et donc, quand il pousse, il pousse vraiment vite. Par contre, nous, une plante endémique, il prend plus de temps pour pousser. Donc, ça veut dire que l'acacia envahit la place là plus vite. Donc, là, nous, une plante endémique, il n'a pas gagné sens pour pousser. Donc, c'est pour ça que c'est le rôle chez l'île aux Aigrettes. Qui nous retire sa bonne plante acacia là pour quitter l'espace pour nous bonne plante endémique gain pousser pour que nous l'écosystème fonctionne comme un besoin. Ou même depuis combien de temps est-ce qu'il est au courant de ce projet là, depuis combien de temps ou dans ce projet on les bonnes plantes invasives l'île de secret? Enfin, moi, tu es déjà au courant la wildlife, c'est le travail qu'il peut faire. Et après mon jeune en 2005. Et puis en 2009, Kimon vint au Lille aux Aigrettes pour rendre sa projet Weeding Project. Là. Ça fait plus de 10 ans qu'il m'a resté à l'île là. Donc, moi, j'ai plusieurs talks, mais pas juste dans Weeding Project. Moi, j'ai aussi maintenance, boatman, watchman, handyman, et aussi occupant-touchy quand Penaman est staff. Et, occupe sociaux ici. Moi là, grand matin, jusqu'à le soir, et jusqu'à le lendemain matin. Pendant le cyclone, Maurice, nous ne connaissons pas qui est là, ou qui fait qu'on va prendre, ou bien parfois nous avons du monde qui, quand on connaît un cyclone, la même chose pour venir faire fête l'île. Donc, c'est mon rôle, c'est ça, c'est la sécurité pour qu'ils empêchent sa bande du monde là. Viennent faire n'importe quoi à l'île. L'île, c'est une réserve naturelle, donc nous devons respecter. Et comment sentez-vous, sachant que tout ce travail qu'ils ont fait à l'île aux Aigrettes, il peut porter ce fruit, les animaux là peuvent survivre un peu plus bien, les plantes surtout peuvent survivre un peu plus bien. D'après mon expérience, ce qu'ils m'ont trouvé quand on vient à l'île aux Aigrettes, on a trouvé qu'il y a pas mal de plantes endémiques. Il y a pas mal d'espèces d'oiseaux, reptiles qui peuvent vivre l'eau là. Mais pour moi, c'est un grand exemple pour qu'il nous prend, pour nous continuer dans la conservation de demain à l'île Maurice aussi. Et même nous, bas de montagne, comment nous trouver qu'il y a plusieurs plantes exotiques là-bas qui, les animaux, finalement, suffisamment manger. Parfois, il y a la montagne, puis il y a manger même pour les animaux. Des espèces ravinales, comment nous peut causer plantes exotiques, c'est ravinal partout, il y a une place qui
tiers ban plante ban bois qui une plante canne, vous trouvez la moitié montagne canne, la moitié bois, donc c'est pas bon pour la nature. Chaque chose nous a respecté, donc nous avons un gros travail. Comment est-ce que le public capable de contribuer à enlever une plante invasive? C'est facile. Vous êtes capable de nous, à la Mauritian Wildlife, comme volontaire, venir de nous dans le projet, le Weeding Project, nous avons un plan, et donc comme ça, nous sommes capables vous êtes capable de nous un coup de main facilement pour capable protéger sa l'île là dans son écosystème et protéger directement les animaux. Le travail de la Mauritius Wildlife Foundation pour éliminer l'acacia et la prune sauvage n'est pas une mince affaire. L'organisation emploie une douzaine de travailleurs qui aident à désherber les plantes envahissantes et à couper les arbres plus grands. Le travail peut être physiquement exigeant et les travailleurs doivent être qualifiés pour s'assurer qu'ils n'endommagent pas les espèces endémiques. Nous venons travailler dans la compagnie Wildlife, nous venons travailler la laboureur. Nous faisons une bonne prune avec l'acacia. Nous mettons une bonne plante. Quand nous finissons grâce à la d'acacia, nous mettons une bonne plante qui est endémique. Pour protéger l'île aux aigrettes. Quand nous plantons ça, nous avons grandi, nous avons produit une fleur, une bougie pour les oiseaux, nous avons survécu et mangé. Nous faisons un travail, mais nous avons une bonne plante qui est là, qui nous donne le droit pour tirer, nous pétirer. Après, une bonne plante endémique qui nous replante. Ou moi dire récolter qui mais pas besoin aussi gagner toute la vie pour manger je gagne tout manger avec bon guisseuse et nous veut travailler avec mes camarades plusieurs camarades qui veut travailler ici tout mes camarades travaillent tout nous coopérer nous veut travailler une partie de madame et monsieur veut travailler loin là nous donne une satisfaction dans nos travail pour l'accompagner à Wadaï faire la confiance avec nous à nous le Lille monter à 7 heures à midi. À midi, nous travaillons, après nous terminons. Est-ce que vous êtes capable de raconter l'époque où tu fais comment ça projet là? Oui, en l'époque où tu fais travail, un peu longtemps. J'ai un monsieur qui appelle monsieur Asso, que tu veux travailler avec lui. Mais enfin, il décide pas là, pour le moment. Mais à ce temps, nous pouvons travailler avec monsieur Tataya. Monsieur Sourad qui, en sort nous, il vient guetter notre travail tous les jours. Il vient guetter qui nous fait, qui nous pas faire. Plus tu prends nos présences, mais tout est correct, nous finis le travail, nous allons la carte, tout correct, correct, puis n'a aucun problème. Est-ce que tu connais ou même qui ça va une plante là, au fait ça va me trouver une acacia là, qui cause problème pour nous une plante, ou tu es au courant ça? Oui, mais quand tu viens là, tu es au courant qu'il a besoin de tirer une acacia avec une prune, en fait une mauvaise herbe qui est donc, mais besoin de retirer les. Pour planter une plante qui est capable de produire l'eau l'île, mais une plante qui nous peut tirer, puis n'a aucun profit avec ça, vous attirez, vous êtes, vous allez mettre bon guisseau l'eau l'île pour gagner qui se vous rapporter. Quelles précautions qu'ils ont pris quand on travaille? Précautions, nous vous apprenons beaucoup, parce qu'il y a un peu danger, l'eau l'île, un peu corail, par ici, par là, il y a beaucoup de précautions. Et nous gagnons tout, ban souliers, ban affaires, là, nous gagnons pour protéger, pour ne pas blesser, comprends? C'est moi, nous besoin prendre beaucoup de précautions là, l'île là, parce qu'il y a un peu, comment dire, hard travail là, un peu dur, besoin corail, besoin cassé, besoin baramine, besoin machine pour l'acacia là. Il y a un peu, comment dire, un peu difficile, comment dire, travail là. Besoin prendre précautions beaucoup, c'est moi. Là, nous cassons la grain là, mais là, nous mettons sec. Là, il finit sec, là, nous pisse-lis, là, nous tremplis, là, nous saignons. Je me lève 4 heures, je fais mon ouvrage, je fais tout mon ouvrage, là, je mets mon balai, je fais mon manger, je prépare, je viens. Là, nous venons là, tous nos camarades, nous sommes bien contents, nous sommes dans l'équipe là, mais nous venons, nous rassons notre cachia, qui fait nous rassons cachia là.
pour lui porter une bonne plante, pour nous bonnes oiseaux, pour des mines, pour nous cartouches. Mais là, quand nous pouvons tirer ça, là, nous bonnes oiseaux, quand tout ça va fleurir là pour fleurir, nous pouvons tout manger, nous pouvons tout. Quand on est l'île, raconte-nous qui va le travail que vous faites. Nos premières affaires, on rentre dans l'inserie. Depuis 1996, on rentre dans l'inserie, on commence à travailler dans le plan. Je cesse la graine, je fais petit, je casse la graine, je m'amène, je nous nettoyer, nous s'aimer. Nous s'aimer, quand on finit s'aimer, là, je suis réel, je suis arrosé, je suis planté, je ramasse tout la graine, petit la graine, pour moi, je besoin nettoyer, compter. Combien il y a dans la graine, là, nous compter, là, nous finissons compter, là, on demain nous s'aimer. Là, nous finissons semer, là, tous les jours nous arroser, tous les jours nous allons dans le bois, nous faisons tous les tours dans le bois, nous guettons qui peut pousser, qui ne peut pas pousser, qui nous réallons en place. Qui va nous travailler, qui est là pour faire, qui va nous instruction qui de nous? Nous allons nous cacher, nous allons porter nos animaux. Nous avons porté nos plans. Quand on connaît que grâce à Ouban travail et comment les camarades de travail, ça va des oiseaux, ça va des animaux ici, là, ça peut un peu plus manger, ça peut vivre plus bien. Comment vous sentez? Oui, nous sommes contents parce que nous avons ce travail là, parce que nous voulons porter nos animaux, nous voulons porter ça là. Pour tous nos camarades, qui aiment nous aussi arrêter, tout ça va nous aider ce qui fait travail là, nous allons continuer. Je continue à nous dans l'île là. Je suis bien content parce que moi, je travaille longtemps et tout ça. Je finis de 60 ans tout le temps à l'île là. Je connais. Maintenant, il y a une réponse qui fait moi, un bon travail à cause de ça, le bureau de moi. Je suis là aujourd'hui, je vais faire de moi pour travailler, mais je vais travailler pour me donner ma courage. Demain, est-ce que tu es content que ce travail que tu peux faire ici, l'île aux aigrettes là, nous commençons à faire l'île Maurice? Oui, je suis content, oui. Et bien bon, tout nous, tout bande de jeunes qui là, nous avons besoin de poser que nous pouvons travailler là. Pour nous payer, je vous connais, je demande bien grand du monde qui nous fera travailler là. Nous avons besoin d'aide. Alors, si nous prenons un sac manger, nous avons tout aussi, nous commençons à le rôder dans le bois. Là, là, nous finissons Rodli, nous amène ni le ce saï là-bas, nous commençons à remplir ce délai, nous amène ni de ce place qui faisait de Nli, nous nettoyons sur la case, nous mettons ce délai, nous donnons ce manger. Comment on fait pour mettre le manteau là-bas, le grand-grand? Comment vous écoutez? Non, mais ben tout là fini habitué à nous parce que ma, la, ça la porte là que nous ouvre, elle dit là-bas, il fait point. Comment nous rentrer même zone finie. Que c'était à nous. Quand vous sortez l'eau, ça l'île là, ou la case, et vous sentez une satisfaction qui vous donne un coup de main. Oui. Et ça va une plante ici là, oui, des animaux là, comment vous sentez-vous? Étant une personne sortie là, nous parlons de bateau, nous faisons en riant. Tu fais, hein? Nous finissons mon travail là, nous satisfaits. Elle nous rentre la case ici, elle a une petite enfant, nous jouons aux autres, tout ça. Je suis content, papa nous vit bien. C'est correct. Et tu n'es pas content que ça m'a petit enfant là, Enzo, vous êtes contribué. Pas pareil, comment vous êtes capable d'avoir une autre qualité? Une autre qualité, oui. Qui vous êtes content de trouver avec la jeunesse? Ah ben, comme je dis ça, quand là, si vous êtes Enzo, si vous gagnez un travail, là, moi, je suis plus content encore parce que je suis déjà là. Autre aspect important de la restauration de nos plantes endémiques, c'est la propagation de ces plantes. Et c'est dans la pépinière que se font les semences, les rempotages et la propagation de nos plantes endémiques et indigènes. Dans la pépinière, il y en a environ 1500 plantes. Actuellement. Et donc, on fait la propagation de ces plantes-là, les plantes endémiques et indigènes, et qui nous pour replanter ici à l'île aux aigrettes ou alors donner en donation.
Le fait que sortir que de la PRH une plante invasive, est-ce que scientifiquement, ou capable d'expliquer nous pourquoi est-ce que ça va une plante là, l'idérance de une plante indigène? Alors, une plante invasive, il étouffe les plantes indigènes et endémiques. Et aussi, il y a une compétition avec sa belle plante-là. Et pour l'écosystème, donc, il y a un danger, il y a une rupture. Et je prends le dessus sur les plantes endémiques. Donc, là, belle plante endémique, qui prend plus le temps avant de pousser, vous êtes étouffé. Et donc, vous êtes capable de créer une extinction de certaines espèces. Ici, à la pépinière, explique-nous un peu comment vous faites pour aider nos bonnes plantes indigènes. La base de PRH plante, ici, qu'est-ce que vous faites? Donc, c'est la propagation. C'est la propagation. Donc, moi, en forêt, moi, collecter ben fruits ou petites plantes qui vont pas apporter ici dans la pépinière. Donc, il y a plusieurs étapes. Moi, pour nettoyer ben fruits, retirer ben la grain et semer. Et là, quand ça pour germer, moi pour en pot d'œufs. Et pour les œufs, à un moment donné, au début, ici, à l'abri du soleil. Et quand je peux développer, moi pour changer de place, moi pour mettre les œufs sous le tunnel là-bas. Et que je peux gagner un peu plus de soleil. Et après quelques semaines, moi pour bouger, moi pour mettre les œufs sur la table qui se trouvait là. Pour, comme ça, je peux gagner suffisamment de soleil, et ce qui m'a fait aussi, m'a fait la propagation avec ben petites plantes, ben seedlings que m'a ramassé en forêt, m'a pour en pot d'œufs, et pareil le processus, m'a pour les œufs ici dans un premier temps, et puis graduellement m'a pour bouger jusqu'à ce que je suis prêt pour être replanté à l'île aux écrites ou à l'ouest donné en donation. Ben, animaux qui n'introduisent à l'île aux aigrettes ou qui sont déjà là, comment est-ce qu'ils aident à la propagation de sa bonne plante indigène là? Alors, ces bons animaux-là, ils pour manger ben fruits, ils pour faire la dispersion des graines et ça pour repousser naturellement. Et donc, comme ils circulent partout sur l'île, donc les pour ben espèces là pour régénérer et pour gagner une jolie la forêt, comment vous trouvez? Et non, ici. Il y a une plante hétérophile. Et ça veut dire que quand vous êtes petit, vous êtes dans une certaine défense. Comme par exemple, elle a une rouge, la feuille, et puis la feuille aussi prend une certaine forme. Mais quand la plante pour grandir, les poux changent de forme et aussi la veine rouge pour disparaître. Donc c'est un message que la plante envoie à ce même prédateur, par exemple à la tortue, pour dire qu'il pas mange moi parce que mon goût pas bon. Mais pénal n'a rien de toxique avec la plante. Et donc, arrivé à une certaine hauteur, quand la tortue n'est pas capable de manger les feuilles, donc la feuille se lavène pour disparaître et se forme aussi pour changer. Donc, la plante est différente quand il y a un arbre, et puis quand il est petit, il est différent. On peut pas penser que ce n'est pas la même plante, mais au fait, avec ce processus d'hétérophilie-là, il évolue. Contre ses défenses. Et aussi, pareil pour, par exemple, quand le poids de la tortue, quand les poumons, l'eau, ça va une plantule là, il écrase et la plantule, il peut plier. Et quand il peut bouger, il peut lever sur la patte, l'eau, ça va une plante là, et la plante, il peut redresser, revenir à l'origine, comment il s'étend. La tortue, par exemple, il compte manger ben fruits du bois d'ébène et grétarum ici à l'île aux aigrettes. Et l'immense amène fruit là, il fait la dispersion des graines, donc ce fruit là il passe dans le système digestif, la graine là passe dans le système digestif de la tortue. Et après, à travers les crottes de la tortue, ça mène la graine là se germer plus facilement que si vous poussez semzeut et vous prend plus le temps. Par exemple, le bois mapou, il pousse vite, le bois chandelle, il pousse vite, et aussi. Le vaqua qui pousse relativement vite. Pour le bois mapou, ça peut prendre environ un mois et demi. Et puis pour les autres, ça dépend, 3 mois, 4 mois. Et puis il y a d'autres qui prennent plus de temps, des années. Il y a une plante qui est là depuis quelques temps déjà,
qui là maintenant c'est une pré pour être parce que je prends le temps pour grandir. Donc arrive un certain moment quand je viens à une certaine hauteur, je suis prêt pour être replanté à l'île aux aigrettes. Oui. Et ça, ça peut prendre 2 ans ou peut-être parfois 3 ans que la plante est dans la pépinière. Pourquoi est-ce que c'est tellement important pour nous de prendre compte de nos biodiversités et d'en prendre compte, nous pourrions dire, en pèse, ça va une plante invasive la propager? Oui, les plantes invasives, elles sont propagées rapidement. Donc, elles étouffent une plante endémique et indigène. Alors, mais c'est, les plantes endémiques, c'est l'identité de la forêt de Maurice et aussi c'est l'écosystème. Par exemple, les plantes invasives, vous êtes capable de créer un débalancement au niveau biodiversité et ça capable de rendre une espèce endémique éteinte, que ce soit une plante ou des animaux. Alors que les plantes endémiques, c'est la fondation même de l'écosystème naturel qui est crucial pour la protection de la biodiversité. Là, c'est un plateau de semences. Il y a un fruit qui m'a fait recueillir en forêt, qui m'a fait apporter, m'a fait nettoyer et la graine m'a fait semer. Je peux attendre maintenant qu'ils aient germé. Et une fois qu'ils aient pu germer, je peux retirer les autres en pot de zot. Et sur la table à côté. Et après, je peux placer les autres dans une place que je n'ai pas pour gagner le soleil direct pour taper aux autres. Je peux mettre les autres à l'abri du soleil. Et après, quand les autres commence à prendre graduellement, je peux bouger, je peux bouger, je peux mettre les autres en bas le tunnel qui est là-bas, dans la pépinière. Là, c'est le tunnel, que une plante qui ne fait qu'empoter, vous mettez autres ici. Et donc, il y a une double protection contre le soleil en haut et le tunnel lui-même. Et aussi, cuttings qui vont faire, une bouture qui m'a fait mettre autres en premier lieu dans la pépinière. Et là, quand je finis prendre, vous mettez autres ici, dans le tunnel aussi. Et après un certain temps, quand je finis bien prendre, pour retirer les autres, pour mettre autres sur le haut de la table. Et pour continuer à prendre soin de cette plante-là jusqu'à ce qu'ils soient prêts pour être replantés à l'île aux aigrettes ou à l'eau donnée en donation. Nous passons à un produit chimique ici. Hein? Parfois il y a même une petite bébête, je retire les autres à la main, je spray un peu de le savon aux autres pour empêcher les autres de propager. Je mets les autres dans sa ICU là-bas, je empêche les autres de propager et la chaleur qui est là-dedans, je fais les autres sauver. Quand une plante affectée par un insecte, je mets les autres dans sa place là, quand ils étaient en isolation. Et après un certain temps, quand pour vérifier les autres tout le temps, après un certain temps, quand on me trouvait qu'il n'est plus dans un insecte, les autres, pour retirer sa bonne plante là, pour remettre les autres, pour replacer les autres au bain de la table. Pourquoi on fait ça? Parce qu'il peut empêcher les insectes de propager les autres espèces aussi. Donc il peut nuisible là. Donc ici, il peut contenir un insecte là et un insecte pas pour propager pour aller ailleurs sur les autres plantes. Alors ici, c'est une plante indigène et endémique qui peut être plantée à l'île aux aigrettes. Et donc sur le processus de hardening, on fait mettre dans un coin quand je peux recevoir plus de soleil et pour aux autres moins, pour préparer aux autres pour être plantées à l'île aux aigrettes. Donc préparer aux autres déjà, parce que quand pour plante aux autres, nous ne pouvons pas pouvoir arroser aux autres tous les jours. Donc déjà ici, je peux gagner moins de l'eau dans sa partie-là. Et une fois que quand pour plante d'autres, je peux adapter facilement à ce nouveau terrain, nouveau environnement. La préservation de ces espèces n'est pas une tâche facile.
Mais heureusement, les personnes qui travaillent à la protection de notre biodiversité sont passionnées par leur travail. Nous ne pouvons qu'espérer qu'un jour, il ne sera plus nécessaire d'éradiquer les espèces invasives de l'île aux aigrettes et qu'elle prospérera comme avant. C'est ici que prend fin cette édition de Bricolo Écolo. Au plaisir de vous retrouver pour le prochain épisode. Entre-temps, restez écolo.